On est à New York aujourd'hui et on est chanceux d'avoir les fondateurs de Atelier Cologne, Christophe et Sylvie, avec nous. Ils vont nous parler de l'histoire d'amour derrière Atelier Cologne. Alors, c'est quoi l'histoire? Écoutez, ben oui, on est ravis d'être là à New York. Il fait très beau aujourd'hui et on est surtout très, très heureux puisque nous nous sommes rencontrés à New York avec Sylvie il y a maintenant 6 ans. Et notre première rencontre a été très raisonnable. Parce qu'on est une marque dans laquelle il y a de la raison, mais aussi de la passion. On a commencé, c'était très raisonnable, on a travaillé ensemble. Moi, j'ai adoré travailler avec Sylvie. Elle, je ne sais pas trop, elle va vous dire, mais moi, c'est toujours la femme avec laquelle je préfère travailler dans le monde, femme ou homme d'ailleurs, être humain. Et un an plus tard, on est vraiment, ça a été la love story, on est tombé amoureux. Et c'est là qu'on s'est dit, voilà, de notre amour va, et de notre aussi complicité professionnelle, il y a les deux, va naître une marque qu'on a appelée Atelier Cologne. Et je vais vous laisser Sylvie en parler, puisque c'est quand même elle qui avait le plus de choses en tête avant qu'on se rencontre. C'est vrai que derrière Atelier Cologne, ou dans Atelier Cologne, il y a notre histoire d'amour à tous les deux, mais aussi notre amour pour la Cologne. La Cologne, c'est ce qu'on porte depuis qu'on est tout petit, tous les deux. On a grandi avec. On adore ce côté très frais, très vivifiant, très tonique de la Cologne. Et on trouvait en tant que consommateur que la Cologne, ça sent bon, mais ça ne tient pas. Et souvent, quand on porte de la Cologne, on trouve que beaucoup de colognes se ressemblent sur un plan olfactif. Et on avait envie de relever le défi de créer de la Cologne qui tient et de créer des colognes avec des facettes et des personnalités différentes. Donc l'idée derrière Atelier Cologne, c'est vraiment voilà, cet amour pour ce classique mythique de la parfumerie et notre amour l'un pour l'autre. Une nouvelle famille, un peu hybride, avec beaucoup de fraîcheur, mais aussi beaucoup d'intensité et de tenue.